On apprend plein de choses. Un jour, un truc fixe pour un cadeau de fête, peut-être. On y pensait, mais un jour. Peut-être. Ouais, ouais, voilà, Sonic Fox. Sonic Fox. Le famoso Sonic. Sur Yoshi, du coup. Une note qu'on verra pas ailleurs. T'as raison. Une note. Oh merde. Peut-être switcher sur le jeu. Oui. Ce serait pas mal. C'est pas... C'est pas bon. Alors que directement, Kishiro avait démarré, mais il vaut mieux qu'on est très bien sorti. Il commence déjà les petits un petit coup de dégâts, petit laser. Pour l'instant, une phase un peu au tour par tour. Alors, chacun sa petite phase. De ce que Kishiro m'a dit, c'est censé être la période de son nom. Ok. Je comprends pas. Ce truc-là, je vois pas pourquoi ce serait. Oh, ok, j'ai compris pourquoi maintenant. Peut-être pour ça, ouais. Peut-être pour ça. Le smash est passé au ledge. Et ça a fait mal. La descente, oh, c'est incroyable. Oh, le smash qui aurait pu être fatal. Ouais, dommage, dommage. Le smash qui fait pile 5 mètres d'ailleurs. 5 mètres ? C'est 5 mètres de distance. Il a un long bras. Ouais. Tu vas en lab, il fait pile 5 mètres. Je l'ai déjà essayé. C'est. Je me mets beaucoup dans le backer qui tue. Ok. Comme ça, j'en ai. Petit placard de l'autre côté pour Momon aussi. Momon il sait, hein, il faut pas laisser Sonic et patient. Ah ouais, t'avais raison, il y a un truc pour contrer. Ouais, et le nerf. Par contre, je savais pas que le up-tilt pouvait le toucher, mais apparemment. Dash attack qui va suivre en rien, mais qui re-envoie Kishiro sur le ledge. Compliqué de s'en sortir, mais pourtant il réussit quand même. Avec le petit upper backer. Petite phase avantage de Sonic. On les connaît bien, un fort. Oh, backer, ouais, ok. Qui a lu la position de Kishiro, hein. Donner un move qui n'est pas souvent utilisé avec Fox. Hein. Qui est très efficace, même s'il se fait pas. Un petit laser pour ajouter un petit dégât en plus, au cas où. Ça peut toujours être utile. Oui, oui. Oh là là, ouais, la Josh attaque qui clunk. Très... Oh, le backer qui touche aussi, mais... Oui, je pense que je suis... Ah ouais, non mais plus que moi en tout cas, c'est sûr. Et pour l'instant on peut voir que ça danse un peu autour des attaques. Ouais, c'est ça, vraiment... le flash qui passe. J'ai rien dit du tout. Le backer, vraiment pour être sûr pour confirmer. Le vacuum, hein, le smash de Sonic, un vrai plaisir à voir. Spin dash qui rajoute des petits dégâts, assez égalité au niveau des points. Ouais, là on est revenu à égalité, il est 2%, hein. Kishiro qui a réussi à ramener ça, mais là il commence à prendre un avantage. Kishiro qui lâche pas, hein. Ça, petit spin est en train de prendre toutes les spin dash et les dash attack. Là c'est up tilt. Oula, on est sur le ledge, compliqué, ouais. Mais ça remonte quand même, on se retrouve en bonne phase. Petit laser. Spin dash qui passe, mais le smash qui touche. Mais ça tue pas. Ah, c'est dommage parce que c'était un très osé comme SF finalement. Ça de moment qui a préféré toucher le mur plutôt que... Petit laser, ça... Le shield qui est minuscule, très dangereux pour le shield de Momon. Attention, Momon là, mais il a peut-être pas besoin de shield s'il réussit à passer des trucs comme ça. Là, je crois qu'un autre smash bien chargé, ça peut tuer s'il y a une mauvaise idée. Aïe aïe aïe. D'autant plus sur Yoshi. Ouais, d'autant plus sur Yoshi. Attention, ça va commencer le jeu. Oh, le upper qui va finir ce game. Aïe aïe aïe, très serré. Un Momon qui a. Qui a ramené ça. Qui a ramené ça, clairement, clairement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui s'énervent aujourd'hui. Non, je vois que... Il y a des manettes qui tombent, tout à l'heure j'avais entendu du bruit là-bas, je sais pas ce qui se passe. Ok, ok. Oui, parce que c'est surtout ce que j'allais me dire quoi, Rash qui tout l'adore quand même, c'est chaud. Ouais, ça va, tranquille. La première fois que je fais 3-2. Nice. Ouais, c'est... Moi j'ai bien 0-2 comme il faut, hein, on a l'habitude. Sérieux ? Bah oui, je suis fait casser la gueule. Mais au moins comme ça je peux être plus rapide ici pour cast. Moi je sais plus. Attends, je regarde. T'es là pour cast. Par Chilago, ouais, bon, ok. Et contre la peluche. Le gun c'est chou. Mais ouais, c'est compliqué. Trop bizarre le gun. Ça fait. Faut chier pas mal. Sur Yoshi Story. Ok. Je veux dire, voilà, on ok. A forcé Yoshi Story. Peut-être que pour Fox c'est pas bien, j'en sais rien. Bizarre. Parce que justement, tu disais tout à l'heure que Kishiro t'avait dit que c'était la pire map pour Sonic. En tout cas, je sais que. Donc bizarre qu'on y retourne. J'aurais pas kiffé Terry et Sonic là-dessus.
Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Mais après, ouais, peut-être d'autres match-ups, peut-être, peut-être ouais, que c'est une très mauvaise map pour Fox. Tu vois, bah tiens, on va avoir quelqu'un qui peut nous donner des specs. Pourquoi Yoshi's Story? Pourquoi Yoshi's Story? Pourquoi Yoshi's Story, Sonic Fox, là Ouais. Parce que Yoshi's Story, c'est très petit. Ça va lui permettre de choper ses kills très tôt. Ça va éviter de galérer à tuer. Ok. Le fait qu'il y a un bord, ça permet à Kishiro d'utiliser le fou avec le roll jump, etc. C'est un avantage. Alors qu'au moment, ça va leur plus empêcher de quelque chose. Ouais, mais on regarde la première game. Kishiro, il s'est fait avoir. Il est remonté, il a tenté de Rico. Il s'est fait tuer à 76 à cause d'un smash de Momo. Parce que du coup, le ledge est comme descendre. Ouais. Voilà. Hein. Ah ouais, bah ça, c'est une chose. Oh, le backer qui a failli sortir. C'est un peu plus compliqué. Ok. Parce que, en fait, tu vois par exemple Kichiro, s'il veut de frame rate flash, il doit se mettre à distance de roll. Oh. Et s'il se met à distance de roll là, avec l'inclinaison du stage, même en même anglais bas, le smash c'est plus compliqué de choper un étoile. Ça explique. Je comprenais pas. Ouais, c'est un choix de map qui se base sur le chilling et sur le kill stage. Okay. Donc on va voir si ça marche. Bah, on va voir vraiment, si ça marche. Ça se base sur le fait que bah, Fox c'est un Glass Cannon. Et qu'on va essayer de tuer tout. Bah, tiens, le backer. Aïe aïe aïe. Ça tue tout ça. Sur France 9% on va commencer à faire attention. Là, ça va très qui dangereux. Oh là là. Et non, mais non. Non, ça remonte, mais. Remonté, oui. Oh, c'était riche quand même. C'était dangereux ça, la tentative de ce boule de nerf là. C'est très riche. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, 6 fois 9. Et le backer qui vient finir. C'est le premier stock. On se retrouve à deux stocks des deux côtés. Des stocks neufs, quasiment neufs. Tu as 30% des 40 de backer qui passe. Ah, non, ça revient. Ah, ça remonte. Dommage. Les combos Fox. Fox, ouais. Rien à dire de plus là-dessus. Et la dash attack qui casse carrément la speed dash, quoi. C'est ballot, hein. Ce fer qui drague d'un à chaque fois. Je trouve ça perturbant comme effet. TFT qui va envoyer Momo offstage. Ça revient tranquillement. Ça... En fait, ça n'arrête pas de se griller. Le slash aurait pu être terrifiant. Là. Ouais. Petit backer qui touche. Ouh, et le si déconnecté, ça se gagne. Est-ce que tu veux une chaise? Attends, vas-y, je me décale. Tu as une chaise, voilà. Je sais pas si tu peux bien voir là. Là, ça campe au ledge, hein. J'ai découvert que Sonic campait extrêmement bien. Ouh là là là. Ça a réussi à remonter, mais pas sans difficulté. Ouais. Pour l'instant, les combos avec les EPR. Hein. Faire. On fait des dégâts petit à petit avec des fers, des fers. Faut ramener plus proche du kill pour cent. Le ça petit nerf. Le backer. Et ça gratte, ça gratte, mais à force ça commence à faire mal. Il est déjà à 64%. Ça a vraiment commencé à devenir l'endroit. Mais Momo, qui va finir ce deuxième stock. Un stock chacun. Momo qui est offstage, qu'est-ce qu'il fait? Le F-Tilt qui va l'envoyer offstage. Le F-Tilt déconnecté qui fait extrêmement mal. Le two-frame avec le F-Smash qui vraiment. On le voit. Ouh, le tir est dangereux là. Ça, là, Momo. Ouh, le F-Smash qui aurait pu être. Ouais. C'est dangereux. Momo, il l'a vu. Petit up B pour monter. On tourne un peu autour. On essaie un peu de tourner autour. Pour voir les erreurs. Ça commence à rajouter des dégâts aussi du côté de moi. Ça commence à faire beaucoup. Sur les gardes de Kishiro. Les backers, on les voit sortir, mais pourtant ils touchent pas. Bah, il va falloir en mettre un vite. On va nous faire exactement comme la game d'avant. Il va-t-il reprendre à la fin? Il va falloir en mettre un vite de backer. Ouais. Il était à 120, il a comeback. Et justement, peut-être que t'avais raison, parce que là, ça commence à faire beaucoup de dégâts. Les backers, mais c'est pas les sweet spots, donc ça tue pas. Il tient bien, hein, là. Ça survit, hein. Alors que n'importe quel backer tue. Hein. Les petits lasers pour ajouter des pourcents qui sont cruciaux à ce niveau-là du jeu. Hein. Ça tient le shield. Oh, le shield qui était très petit. Ça aurait pu être très dangereux. Très dangereux. Sur les guards. J'en vois les backers qui passent pas. Hein, les backers qui passent pas. On en a vu 2-3. Est-ce qu'il va encore surprendre une dinguerie?
aïe aïe aïe. Il y a la rage, ça va commencer à tout. Oh, la chose qui m'a tué. La fameuse nerf up smash. Aïe aïe. Pourquoi ça combo? Là, ça fait mal, hein. Ouais. Ça fait mal à voir, ça fait mal à... Le comeback, moi. Ouf. C'est Fox. Ouais, j'avais demandé tout à l'heure quand c'était...